ambassade américaine félicite Ariel Henry de ce que lui décide impliquer normalement la société civile là dans le gouvernement ça que lui arrivé formé. N'a rappelé que Ariel lundi 19 juillet 2021 liste qui composait cabinet ministériel que Ariel Henry lui-même pral gain pour diriger gétan sorti déjà. Jodi a secteur démocratique là ak populaire là lui-même li baye conférence de presse yo façon pour lui prendre position sous ça qui gain awe ensemble avec nomination et installation Ariel Henry étant que premier ministre dans tête pays d'Haïti. Parti bouclier ensemble avec quelques autres partis politiques encore en dans pays d'Haïti t'a mandé pour renvoyer entièrement président Jovenel Moïse en façon pour enquête là lui-même li capable avancer. Jean déconnel déjà Martine Moïse lui-même qui t'a mandé l'état haïtien pour pas investir yon dollar pour pipiti nan organiser funérailles président Jovenel Moïse. Jodi a 20 juillet 2021, c'est date ça qui t'est kembe normalement pour rendre hommage ensemble avec président Jovenel Moïse nan Mupana et aussi pour installer Ariel Henry en tant que premier ministre définitif nan tête gouvernement pays d'Haïti. C'est entre autres information ça que nous portons pour jodi a. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans rubrique information ça. Ou même qui veut tomber sur chaîne nan a mandat pour abonner. Et ou même qui t'es abonné déjà, n'a mando pour continuer like, commenter, partager, yon façon pour aider nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que cliquez sur la cloche de notification, yon façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. Jeudi 20 juillet 2021, dans la zone nord-est, eh bien, toute institution a été décidée de fermer, sauf élèves qui ont pris un examen officiel. Yo façon pour te rendre hommage ensemble avec le président Jovenel Moïse. Konsatou, nan zone métropolitaine nan Mupana jodia, autorité haïtienne yo jan sa te prévoit bay yo dernier hommage ensemble avec président Jovenel Moïse. Ewol Josué notamment nous connaît qui te droit ethnologie, c'est lui même qui te ouvri qualité hommage si là ensemble avec yon sorte de cérémonie. Quand il allait là, il me devait. Quand il allait là, il me devait. Il me devait aussi que son groupe, c'est gros. Normalement, yo continue hommage ça pendant que yo commence ensemble avec Agenor Kadè qui te gagne un discours assez important pour lui ta prononcer nan jou si la qui important pour lui même tout bien que li perdu yon nan moun qui te piche pour lui qui c'est président Jovenel Moïse. N'a songe que Agenor Kadè lui même li te écrit yon poème yon façon pour lui te ka di adieu ensemble avec président République. N'a botan de Agenor Kadè et puis n'a tourné. Mesdames, messieurs, les ambassadeurs et consuls accrédités en Haïti, mesdames, messieurs, les autorités politiques, législatives, civiles, religieuses, etc. Mesdames et messieurs, chacun en ses titres et qualités. Prendre la parole aujourd'hui est très difficile pour moi, mais je dois le faire. Immense est notre perte. Infinie notre douleur. À cette perte et à cette douleur, je veux dire que le moment le plus difficile pour moi, c'est le très touché exercice, mesdames et messieurs, de prendre la parole à présent en cette cérémonie d'hommage au président Jovenel Moïse. Un homme intègre, réaliste, nationaliste, patriote, qui, comme le père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, lui-même assassiné, a pensé à ceux-là dont les pères sont en Afrique. À la vérité, je suis là pour parler, pour dire un mot en l'honneur d'un homme, d'un chef d'État avec qui j'ai collaboré pendant
4 ans et 5 mois pendant toute la durée de son mandat. De son avènement à la première magistrature de l'État jusqu'à son assassinat. Et avec lui aussi, j'ai suivi 47 conseils des ministres. À la vérité, dans la nuit du 6 au 7 juillet de l'année en cours, le président Jovenel s'est retiré de la vie terrestre, lâchement assassiné par des mercenaires colombiens, américains et haïtiens, agissant à la solde des oligarques corrompus de ce pays. Mais je sais, comme les premiers qui ont été assassinés, je veux parler du père de la nation, Jean-Jacques Dessalines, de Sylvain Salnave, de Jean-Jacques Dessalines, Michel Cincinnatus Lecomte, de Jean-Simon Villebrun Guillaume Sam. La mort, l'assassinat du président Jovenel Moïse ne doit pas passer inaperçu. Et aujourd'hui, la principale priorité pour nous, c'est justice pour le président Brivard, pour le président Jovenel Moïse. Je me dis un mot. L'histoire retiendra ceci du président Jovenel Moïse. À défaut de l'éliminer électoralement, 22 mois de campagne pour être président, de l'éliminer moralement, économiquement, politiquement, socialement, mystiquement, les oligarques corrompus l'ont finalement éliminé physiquement. Mais le rêve du président Jovenel doit persister. On n'a pas éteint son soleil, on a seulement écarté des rayons. Je veux dire, sans vouloir exagérer, à l'instar de Jésus-Christ qui avait donné sa vie pour sauver l'humanité, le président Jovenel Moïse s'est offert un holocauste pour aboutir à la libération d'Haïti. Mais je me réjouis d'une seule chose. Fidèle à sa conviction, il est parti avec bravoure comme il a vécu. Mes sincères condoléances à Madame la Première Dame, à ses enfants et à tous les membres de la famille éplorée. Merci. Normalement, Agenor Kader nous est qui qualifié président Jovenel Moïse en tant qu'un homme qui intègre yon moun qui baye ville en holocauste yon façon pour lui ka sauver la patrie. Mais nous avons Agenor Kader tout qui tellement sous émotion que lui arrive mandé fok justice faite pour président Préval qui donc Agenor Kader lui-même li te onti jan perdi, li te onti jan troublé nan bagay yo. Mathias Pierre bon côté pas lui-même pas caché attachement là il était gagné ensemble avec président Jovenel Moïse puisque Glopat suspend couler dans gel dans moment que signature en hommage de président Jovenel Moïse lui-même li ta fête journée ça c'était une journée qui était assez comblée puisque madame Martine Moïse lui-même t'a décidé pour pas prendre yo dollar qui pipiti nan mais l'état haïtien pour organiser funérailles Jovenel Moïse bien que li pas écarté le fait que président Jovenel Moïse même li mérité des funérailles normalement qui national en tant qu'ex président de la République. Ça qui révolte, ça qui faut pas qu'être moun dans société civile la monte au créneau, faisait croire que c'est normal pour première dame nan li même, li pas besoin l'argent l'État puisque tout l'argent l'État get en amel déjà qui donc y a pas besoin retirer yon dollar dans caisse publique là encore plus au tabali pour ta financer exactement entièrement président Jovenel Moïse. Enquête là lui-même, li continue à poursuivre quelques autres indices continue à sortir yon façon là pour nous ta avancer vers résolution crise ça vers résolution crime ça
qui commettent sous ancien président de la République, son excellence monsieur Jovenel Moïse. C'est ça qui fait que parti bouclier ensemble avec quelques autres secteurs dans la société civile là t'a demandé notamment pour t'a renvoyé enterrement président Jovenel Moïse là, puisque d'après eux même immédiatement que enterrement ça lui-même il t'a fini chanter normalement là, et bien enquête là lui-même li pap ka continuer. Yo profitement de aide internationale là, yo façon pour former une équipe pour retirer pays d'Haïti dans ça lié là actuellement là, surtout dans ça qui gagne ah ouais, ensemble avec enquête qui a mené sous assassinat président Jovenel Moïse. Centre d'analyse et de recherche en droits humains lui-même pas caché inquiétude li concernant Jean opération ensemble avec enquête ça lui-même li praléa, puisque un bien gen corruption dans institution policière là, moun yo pas gen assez de potentialité, assez de capacité pour yo ta mené yo telle enquête. Ça veut dire exactement que enquête en lui-même li ka arrivé un moment li enterré, si toutefois communauté internationale la lui-même li pa fait un effort pour li ta voyager vers Haïti nan sa ki gen awe ensemble avec avancement enquête. Si la ki donc moun yo mette voyo ensemble yon façon pour yo mande madame Martin Moïse pour li d'accord ensemble avec renvoi enterrement président Jovenel Moïse qui t'a supposé fait 23 juillet 2021 qui a vini là. Jodi a la secteur démocratique lui-même li ba yon conférence de presse yon façon pour li prendre position sur ça qui gen awe ensemble avec installation Ariel Henry étant que premier ministre dans tête pays d'Haïti. Normalement, yon de gita commencé faire comprendre que Ariel Henry pa gen ni capacité, ni potentialité, ni bagage pour li diriger yon gouvernement dans tête pays. Surtout ce gouvernement ça qui a gagné pour li faire élection libre, honnête et transparente. Qui donc en tant que un gros PHTKiste, eh bien Ariel Henry pa gen droit diriger gouvernement ça selon secteur démocratique et populaire. Yo fait comprendre que communauté internationale là tout t'a supposé quitter pied au dehors dans ça qui a passé actuellement là en de pays d'Haïti. C'est haïtien qui pou mette tête ensemble pour yo joignon entente pour résoudre crise sociopolitique ça qui commençait exagérer déjà, puisque c'est un pilotage automatique qui gagne dans pays là après que président Jovenel Moïse même y arrivé perdu la ville tragiquement. Et mais d'après maître André Michel, c'est blanc qui était Kébé, c'est communauté internationale là qui était Kébé Jovenel Moïse sous pouvoir, alors que Jovenel Moïse même il était fait un coup d'état normalement pour il était Kébé pouvoir 7 février 2021 qui saute passé à là, qui donc communauté internationale n'a la pas gen droit pour venir imposer quoi que ce soit. C'est yo même dans société civile là qui gen capacité pour yo parler entre yo, pour yo jwenn yon entente, yo façon pour yo retirer pays ya nan sa liye la actuellement. N'a bon suivre on parti dans conférence de presse si là et puis n'a tourner tout à l'heure. Écraser toute institution et depuis l'indépendance, c'est première fois nous bon monde qui rive président, écraser pays ya totalement. L'écraser toute institution de l'Italie. Le moyen de penser, il est capable de martyr, il est un rêve pour le pays. C'est faux. C'était un destructeur de pays. Il a détruit le pays de A à Z. Il a détruit toutes les institutions républicaines avant de l'assassiner. Et ça mettait dans une situation exceptionnelle, pas rien la justice, pas rien parlement, pas rien la police, pas rien gouvernement constitutionnel. Deuxième raison qui fait de nos situations exceptionnelles, c'est parce que Jovenel Moïse, mandat défini depuis 7 février 2021, et son coup d'État qui était fait pour dégager le pouvoir. Et constitution 1987, là, il n'y a pas aucune constitution démocratique qui a jamais prévoit que un monde a président et puis mandat a fini avec le pouvoir. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, il n'y a aucune provision constitutionnel pour nous faire face à ça, Jovenel Moïse, BDPIA, Jodia. Et c'est ça que fait le secteur démocratique et populaire Haïti. Premièrement, communauté internationale, pas fait ingérence dans affaires pays à Jodia. Communauté internationale, quitter Haïtien, Haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le premier ministre, il pousser le gouvernement, ça va mettre le pays dans la crise, ça va mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne va accepter que ces communautés internationales là qui nous dictent, qui nous dit qui ça qui vous fait,
Parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale n'a pas dit rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font un coup d'État, ils ont le pouvoir par la force, la communauté internationale t'est bébé, ils ont avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, la communauté internationale là, les responsables, plus, même gens avec lui. Communauté internationale là, complice. Parce que vous te mettez ensemble avec Jovenel pour casser toute institution. Vous te mettez ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'État 7 février 2021. Le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne va gagner, va quitter le tour. Je dis, le secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique. Là, matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous faisons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et cette démocratique là a brûlé encore. Pas aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile ou bien groupe politique qui maintenant tête, qui a le bon matin, vous le dites, voici la solution, les trompeurs, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça que nous-mêmes nous disons, nous ne sommes pas attachés à aucune solution particulière. Nous ne sommes pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays dans sa vie là. C'est ça que fait, nous parlons avec les gens qui sont proches du juge Mécène Jean-Louis, lui dit nous, Mécène Jean-Louis, pas fait aucun obstacle à une solution qui a sorti dans la concertation. Nous demandons tout le monde pour faire concession, tout le monde pour avoir esprit d'abnégation, tout le monde pour avoir sagesse. Parce que quel que soit le monde qui a cherché à imposer des solutions, cette crise-là va compliquer. Qui toutes les sociétés civiles ou pas de droit. Quel que soit le groupe société civile, qui tous ces groupes politiques ou pas de droit. Nous devons travailler ensemble dans la concertation pour trouver une solution consensuelle, une solution haïtienne à cette crise. Jodia, nous avons dit pour la communauté internationale. Parce que Jodia, chaque fois qu'on parle, on doit dire 149. Nous, M. Ariel Henry, font arrêter pour le nommer ministre du droit article 149. M. Ariel Henry, M. et dames de la communauté internationale. Je nous attendais là, maître de Michel lui-même, lui permettait de nous boucher pour faire comprendre que Jovenel Moïse détruit PIA de A à Z, communauté internationale, là, pas de jambes dit rien. Qui donc, lui pas de droit, vient fouiller boucher actuellement là, dans cause si là, parce que. Eh bien, yo papa quitte Ariel Henry, vin forme yon gouvernement avec yon paquet moun ki pa gen pièce capacité, yon façon pour vin craser pays ya pi plus, yon façon pour vin faire pays ya rentre nan la boue, pi plus ke li nan la boue déjà. N'a praplo ke gen kek moun ki kembe posyo, tankou Claude Joseph, tankou Wok Feller Vincent, Patrick Boisvert, Marie Greta Wa Clément, normalement là qui kembe posture yon façon pour ka aider pays a même avancer même gens ensemble avec Simon Diocel derrière lui même qui arrivé jeune place ministre planification dans tête pays d'Haïti. Ancien colonel Imler Rebut a fait comprendre tout que gè kek moun qui a mené enquête là qui t'a supposé fait sujet d'enquête qui t'a supposé fait sujet d'observation puisque yo c'est principal suspect dans assassinat président Jovenel Moïse là. Et bien actuellement là prix produit yo prix loyer tout continue à augmenter de une façon personne pas ka comprendre et normalement là et bien ça qui excuse tout le monde c'est que pas gè produit pétrolier sous marché a qui donc li vin difficile pour moun yo ta transporter marchandise yo qui donc prix produit nécessité yo vraiment a grimper en flèche actuellement là et loyer au même surtout après ça qui passé dans Delma 32 a et bien yo continue à monter en flèche avec dollar américain pour gagner pour ta louer yo caille actuellement là dans Port-au-Prince. Pas gen gaz nan pompio, mais gen gaz nan galon que y a vann sous koto yo. Ça que l'État haïtien là, actuellement là, yo poko ka arrive contrôler presque yon mois depuis pas gen gaz en de pays ya. Et excuse lan, c'était toujours Matissan qui pa en sécurité et Cité Soleil que groupe armé ou même yo pa suspend affronté qui donc
c'est moun qui dans société civile qui a subi actuellement ça qui a passé dans Matissan ensemble avec Cité Soleil sous point insécurité. N'a pas rappelé que Evans Francis, yon prêtre catholique, yon arrivé kidnappé dans l'île Avoie hier lundi 19 juillet 2021, ce qui veut dire que insécurité à lui-même, li continue à prendre une proportion qui vraiment énorme actuellement là dans le pays d'Haïti. C'est toute information ça aucun dépoté pour aujourd'hui hein. Merci d'être continuer like, commenter, partager et merci d'être continuer à inviter yon famille ou à yon zami ou rete connecté ensemble avec chaîne pour ka gen bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.